Le marché de Noël, on y travaille dessus depuis quelques mois en partenariat avec la mairie d'Oloron. Et voilà, on a essayé de faire un marché de Noël avec des stands alimentaires pour vous régaler, beaucoup d'artisanat, de mettre en valeur les savoir-faire locaux. Oui, vous allez retrouver sur le marché de Noël des stands alimentaires comme des crêpes et galettes, des spécialités d'Auvergne, saucisson, fromage. Vous allez retrouver des tapas artisanaux et puis le stand d'Horizon toujours qui est là pour vous régaler au profit du Népal. Vous trouverez aussi de quoi faire des beaux cadeaux de Noël, des cadeaux à faire aux gens qu'on aime et à soi-même aussi. Et voilà, beaucoup d'artisanat et voilà, des savoir-faire. Ben, comme je suis espagnole, donc j'ai appris à cuisiner en Espagne et donc j'ai fait des tapas. Mon produit phare, bien sûr, c'est les piquillos à la morue. La tortilla, des patatas. Bon, je fais plein de choses en fait, des croquettes. Les croquettes, c'est un incontournable en Espagne aussi. Et la paella sur commande uniquement. On a prévu en effet de faire, comme on dit en Espagne, los platos combinados, c'est les assiettes combinées. Et donc, j'ai préparé tout un assortiment en faisant des menus et des plats justement pour que les gens puissent s'asseoir et manger chaud. Justement, c'est plus convivial, c'est plus chose qu'on ne peut pas faire dans les marchés. C'est la troisième année présent sur le marché de Noël de Oloron. Donc moi, je ramène toujours de l'écologie, de l'économie à travers toute ma gamme de produits 100% naturels pour l'entretien de la maison, mais aussi pour l'entretien du corps, le vrai savon de Marseille. Et cette année, exclusivement, j'ai ramené également une nouveauté qui commence à arriver en France, qui est l'or du Brésil, l'or végétal. Donc l'or végétal, j'ai trouvé que c'était un cadeau complémentaire par rapport aux autres années pour tout simplement, ça fait de jolis bijoux assez nobles parce qu'on parle vraiment d'or végétal, c'est très encadré. Et donc pour un prix, on va dire le prix d'un bijou fantaisie, on est sur un cadeau sympa pour Noël.